Bon matin, bon matin, bon matin. Merveilleux, vous êtes là. Allô, allô. Et ce matin, nous sommes avec Véronique Bourbeau, que vous connaissez. On collabore ensemble depuis, je crois, 2015. Et Véronique est fantastique, naturopathe, herboriste, et elle a créé avec Docteur Desautels une plateforme sur la santé hormonale. Ici, au moment du festival, elle a donné une conférence sur la ménopause. Vous l'avez grandement appréciée. Même les plus jeunes, les jeunes femmes d'une vingtaine d'années là, qui ont assisté à sa conférence. Allô, Véronique. Salut, bon Oui, matin. bon matin. Ça va? Ça va toi? Oui, ah, t'es magnifique, Véronique. Écoute, t'sais, ça fait près de 10 ans qu'on collabore ensemble, hein? Oui, On ça avait me... fait, t'sais, le beau livre, La beauté, La beauté. ensemble. Puis à l'époque, je me souviens, parce que tu m'avais envoyé un courriel, tu m'avais... Aussi, tu avais attaché à ça ton CV. Impressionnant. Donc, oui, naturopathe, oui, herboriste, mais tu as surtout accompagné des médecins un peu partout. Et là, tu as un projet grandiose avec le docteur Lynn Desautels, où vous avez mis un projet, comme tu le dis si bien, colossal, avec 60 ans de formation sur la santé hormonale des femmes. Oui, en ligne, exactement. Je peux en parler. J'ai prévu mettre une petite image là-dessus à la fin de ma présentation aujourd'hui. Fait que ça va me faire plaisir d'en parler, bien sûr, là. Oui. Et on donnera évidemment, oui, quelle énergie cette Véronique, parce que plusieurs ont assisté à ta conférence. Et j'ai promis à Véronique que l'an prochain, on sera mieux adapté, arrangé. Tu sais, parce que c'était la première depuis 5 ans. C'était la première fois qu'on faisait le festival depuis 5 ans. Puis bon, il y a place à amélioration. Mais moi, ce qui m'a frappée, Véronique, c'est qu'évidemment, les femmes veulent en savoir plus sur la ménopause. Ça, c'est, tu sais, les femmes 40, 50, 60. Mais les jeunes qui ont assisté à ta conférence de 20 ans ont vraiment, tu sais, ils ont appris. Ils ont appris que la pilule contraceptive pouvait peut-être nuire même au processus éventuellement. Là, tu sais, puis ils sont venus me dire ça. Ils étaient frappés. Et à un moment donné, on avait fait, après ça, je te laisse parler, mais c'est juste pour faire une introduction. On avait fait une émission en 2013, je Ça pense. fait longtemps, oui. Oh, c'est plus longtemps que 2015 et justement, où on parlait de la santé hormonale, et tu étais accompagnée d'une autre spécialiste aussi à ce moment-là, et tu disais, tu sais, si on prend soin de nous à partir de 25-30 ans, on va mieux passer à travers les soubresauts de la vie, de la santé, des femmes. Donc, Oui, voilà. de la périménopause, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se planifie. Fait que c'est vrai que quand on est pris dans le tourbillon des changements hormonaux, on sent une urgence d'agir, mais il faut développer cette vision-là un peu préventive ou en tout cas d'anticiper ce qui s'en vient parce que c'est un passage obligé, les changements hormonaux, hein, chez une femme. Tout le monde va vivre une périménopause, là, naturellement ou de façon chirurgicale, là, pour certaines. Fait que c'est un passage obligé et il y a un terrain fertile à ce que cette transition-là soit adoucie ou au contraire que ce soit une propulsion vers un déséquilibre complet. Donc, je vais en parler aussi Oui, aujourd'hui. Oui. super, merveilleux. Tout le monde est content et les gens ont assisté à ta conférence, sont contents parce qu'ils disent une excellente vulgarisatrice. On comprend avec toi, Véronique. J'espère. Et merci d'être là. Donc, aujourd'hui, présentation de cette conférence. Et la semaine prochaine, donc on se revoit aussi lundi prochain et tu pourras répondre aux questions. Donc, les questions que vous posez, nous, on va les réserver pour la semaine prochaine. Parfait. On fait comme ça, fait que je peux partager mon écran. Et là, je t'admire parce que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je ne savais même pas qu'on peut faire ça avec le logiciel Eh ici. bien, j'espère. Attends une minute. Une fenêtre, j'arrive. OK. Ben oui, toi. Attends un peu.
Là, moi, je te vois plus, par contre, Jacinthe, là, mais toi, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Attends un peu, parce qu'ils disent partager un écran, je vais voir, attends, si, ajouter à la scène. Ha! Est-ce que tu me vois? Non, moi, je vois juste mon écran à partir de, avec StreamYard, là, je peux pas voir avec qui j'échange, là, malheureusement, là. Mais c'est pas grave, on te voit et on voit l'écran. Donc, moi, je peux te confirmer, super. Bon, mais parfait. Je vais profiter de ce matin-ci, là, pour vous parler, justement, là, d'hormones, évidemment. C'est un sujet qui me passionne depuis 27 ans. Ça fait 27 ans que je suis naturopathe et je me suis toujours concentrée sur la santé hormonale, là, essentiellement. J'ai fait autre chose aussi, mais ça a été une passion pour moi, là, la découverte des hormones. J'ai réalisé que c'était dans les années 90, là, fin des années 90, non, même pas, mi-années 90, quand j'ai commencé mes études aux académies. La première fois que je me suis assise dans mon cours de biologie, physiologie humaine, puis qu'on a abordé le système endocrinien, donc le système des hormones, j'ai tout de suite compris que, comme les hormones, ce sont des grands régulateurs de santé qui travaillent partout dans le corps, j'ai vite compris que pour devenir un expert en santé, il fallait devenir un expert en hormones. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, de ces fameuses hormones-là qui sont en micro quantité, mais qui influencent tellement de paramètres de santé. Ouais, et ce que je vais, la façon que je vais vous présenter ça, c'est en différentes phases, là. Donc, les femmes de l'auditoire aujourd'hui, là, dans la vingtaine, il y a matière pour vous. Puis les femmes qui ont passé la ménopause, il y a matière pour vous aussi, là. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça les hormones féminines au fil du temps. Super. Donc, aujourd'hui, on fait un cours simplifié, bien sûr, là, un cours de physiologie simplifiée. Ça va vous permettre peut-être de faire une certaine auto-évaluation par rapport à certains symptômes, certains signes qui peuvent laisser penser qu'on vit une turbulence hormonale. Vous pouvez relier aussi, donc, bien sûr, vos symptômes à ce débalancement-là, être informé des conséquences aussi, soit d'un déséquilibre ou d'une baisse en hormones, hein, parce que le passage en périménopause, on peut se traduire par un déséquilibre, je vais en reparler, mais globalement, c'est une baisse, hein, les hormones progressivement font leur valise puis vont quitter le navire. Donc, ça aussi, ça se répercute dans notre santé globale. Et ça peut être une bonne nouvelle, Véronique. Tu sais, il y a des femmes qui voient ça comme un renouveau. Tu sais, ça peut être pour... Ah oui. Bon, OK, parfait. Merveilleux. Ah oui. Je vais... Et ça serait tellement un sujet intéressant pour un autre direct, Jacinthe, parler justement de la ménopause de façon très positive, hein, plutôt que de regarder ça avec des lunettes de changement puis de perte, perte de souplesse, perte de collagène, perte de muscle, perte de lubrification vaginale puis tout ça, perte de la santé osseuse. Il y a tellement un gain exceptionnel là aussi à aller chercher. Mais bon, je mise pas là-dessus aujourd'hui, je vais juste parler un peu mécanique, là, mais ça va me faire plaisir là de regarder cette facette-là qui fait don du bien au cœur, là, puis que effectivement, ça nous permet de transiger avec plus de légèreté aussi. Hein? Oui. Et ce que j'aime bien aussi, ce que je présente, comme je disais en ouverture, c'est de nous permettre peut-être, comme toute femme va vivre une transition hormonale, c'est un passage obligé, ben de peut-être anticiper avec ce que je vous présente aujourd'hui, hein, comme je vais partir de la vingtaine jusqu'à la post-ménopause, de regarder, ben voici ce qui peut se présenter à moi, puis comment est-ce que je peux peut-être prévenir en faisant des choix conscients jour après jour, puisqu'à la base de notre santé, on retrouve les habitudes de vie. Hein. Les habitudes de vie et la santé hormonale sont intimement reliées. Et donc, on pourra peut-être voir aussi, ici et là, je vais vous mettre quelques pistes de solutions. C'est sûr qu'étant une clinicienne, je donne pas de solution coin de comptoir qui fait à tout le monde, parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment personnel, c'est bien... T'sais, notre santé d'abord, là, ma santé est complètement différente de la tienne, Jacinthe. On est différente face à l'assiette, on est différente face au stress, on est différente face à l'insomnie, par exemple. On n'a pas les mêmes gènes, on n'exprime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes capacités métaboliques non plus. Donc, c'est des pistes comme ça que je vous mets. Je vous fais pas une liste d'épiceries à acheter aujourd'hui, là. Mais c'est juste pour vous informer qu'il existe des solutions. Puis moi, je suis d'avis qu'il n'y a rien de mieux que d'être accompagné par quelqu'un
qui a une bonne expérience puis des bonnes connaissances pour être capable de sélectionner là, ce qui fait le plus de sens pour vous à ce, dans vos transitions hormonales. Véronique, tu as créé avec Dr Lynn Desautels une plateforme pour aller plus loin si vous voulez. Et tu as aussi une clinique, donc tu peux, on peut aussi consulter. Moi, je suis allée te voir avec mon Charles. Oui. Et c'était révélateur. J'en parle des fois à l'occasion, là, mais tu sais, Véronique, c'est vraiment une personne que je vous réfère, tu sais, grandement. Donc, voilà. Oui. Bien, merci. C'est sûr que de mon côté, je vais faire du pouce tout de suite sur ce que tu dis. Là, moi, j'ai une clientèle qui est complète depuis des années. Là, donc, je ne peux plus extensionner mon bassin de clients. Là, j'ai plus assez de disponibilité pour répondre à toute la demande. Mais justement, en 2018, j'ai regroupé là, des experts, des expertes là, beaucoup en naturopathie, mais j'ai de l'homéopathie, de la nutrition. On offre plus large. Là, j'ai des travailleurs sociaux. J'ai plein d'options. Fait que je suis allée chercher les perles dans différents domaines. Puis on a fait un collectif justement pour aller chercher des expertises puis une approche professionnelle très progressiste et intégrative aussi. Donc de respecter les valeurs de chacun. Hein, que les gens versent plus du nouveau au niveau pharmaceutique. Nous, on n'a aucun enjeu avec ça. Au contraire, là, on fait très bien avec. Là. Donc c'est ce qui fait qu'on a des on a créé des bons dialogues avec le milieu médical aussi. On a un grand respect là de toutes les possibilités. Là. Donc, ça, oui, je pourrais en reparler aussi, bien sûr. Là. Et donc, vas-y, Jacinthe. Je me souviens à l'époque de l'écriture de la beauté, à quel point tu me disais comment. Puis moi, j'étais neuve là, tu sais, dans le milieu. J'ai trop bien su ça par la suite, mais tu me disais déjà qu'il fallait tout référencer de façon scientifique à l'époque. Tu sais, et toutes les références dans le livre de la beauté viennent pour la plupart de toi, Véronique. Tu disais, tu sais, à quel point c'est important. Chaque donnée qu'on donnait. Donc, d'appuyer ça sur la science. Donc, voilà. Bien, c'est sûr que, tu sais, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est pas une intuition non plus qui m'est venue dimanche soir, là. Je veux dire, c'est des études, c'est des lectures, c'est de la compréhension. C'est sûr qu'il y a 27 ans aussi d'accompagnement clinique, là. Donc, c'est sûr que je partage mon expérience, mais tout ce que je présente, c'est toujours référencé, vous pouvez toujours aller vérifier, là, contre-vérifier si vous voulez, là, c'est ça, je parle de biologie, je parle de physiologie et ça change pas, peu importe le titre qu'on a, qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, qu'on soit acupuncteur, qu'on soit chiropraticien, qu'on soit naturopathe, s'il y a quelque chose qui nous relie, c'est bien les sciences de base, là, donc c'est toujours appuyer ce que je vous raconte, là, évidemment. Puis moi, je suis d'accord, évidemment, c'est ma façon de travailler avec la rigueur scientifique de toujours mettre les références pour que les gens qui veulent pousser leur réflexion plus loin ou juste venir revérifier l'information parce que ça semble différent de ce qu'ils ont connu, bien, à ce moment-là, ils ont matière à creuser, là. Ouais. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que on va parler d'une danse hormonale, donc comment est-ce que les hormones fluctuent. Hein? Le corps d'une femme, c'est synonyme de souplesse et d'adaptation et de remaniement constant jour après jour. Et donc, on va parler de cette danse hormonale à partir de la puberté jusqu'à la mi-trentaine. Et ensuite, on va parler d'une transition qui est vraiment importante, la mi-trentaine jusqu'à la ménopause, qui est, bon, périménopause, mais à partir de la mi-trentaine, il y a des actions qui peuvent être envisagées pour nous permettre de passer entre le mur et la peinture, cette transition-là hormonale de la périménopause. Et ensuite, on va parler, une fois que les hormones diminuent grandement en ménopause et en post-ménopause. Comment est-ce qu'on doit quand même s'occuper de nos hormones, même si elles sont en décrescendo, comment est-ce que c'est important? L'image que vous avez là, les deux triangles, c'est une image que j'aime beaucoup parce que ça représente à quel point les hormones sont des régulateurs de santé. Et quand on parle de multisystémique, là, c'est vrai, là, dans le sens où mes hormones vont avoir une influence sur ma qualité d'énergie. Mes hormones et mes neurotransmetteurs entretiennent une intimité ensemble. Donc, mes hormones influencent ma façon de voir la vie, ma façon de me sentir aujourd'hui, mes capacités cognitives, mes capacités d'apprentissage, ma mémoire, mon focus. Donc, c'est très important. Ça influence aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de mes cellules. Les hormones, je le disais, c'est des micro-quantités, mais tu peux pas faire sans.
Et si tu manques d'hormones, ça se traduit en maladie. Et si tu as trop d'hormones, ça se traduit en maladie aussi. Donc, il faut savoir bien reconnaître l'efficacité de ces hormones-là en ratio et en dosage adéquat pour influencer le métabolisme. Donc, comment est-ce qu'on est capable de créer de l'énergie pour chacune de nos cellules chaque jour, ça dépend de nos hormones. Mais Peux-tu nous mettre l'image des triangles? Parce que là, on est à la page de départ. Attends une minute. J'ai changé. Okay. Si je fais ça comme ça? Si tu changes, non. Moi, ça n'a pas changé? Non. Attends. Non, moi, de mon côté, je tourne les pages depuis tantôt. Fait que, là, ça ne change rien? Non. Si je fais ça? Non. Si je fais ça? Non. OK, c'est d'abord dans toi, ton visuel, ce que tu projettes. OK, comment est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en petite image à ce moment-là? J'ai tellement d'images, là, j'ai plein de graphiques. Je sais que tu as travaillé fort là-dessus. Puis là, moi, même si je clique sur ton image, j'arrive pas. Je suis désolée, là, les gens qui nous écoutent. C'est la première fois. Ah, OK. Regarde ce que je vais faire. Je vais arrêter mon partage. Je vais essayer de le repartir, voir, d'accord? Ouais. On essaie ça. Tiens. Là, je sors de là. Il faut que je te retrouve. Tu es en dessous. OK. Attends une petite minute. Je suis en plein écran. Bon, oui, c'est déjà arrivé une fois, ça, dans une présentation que je faisais avec Chantal Lacroix, ça a gelé, mais après ça, elle a joué avec 2-3 paramètres, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Attends, partager mon écran. Je vois l'écran, il faut fermer et réouvrir à chaque page. Ça n'a pas de sens, là. Non, je l'ai déjà fait. Attends, je vais regarder quelque chose. Si je partage, mettons. Attendez, là, je ne vais pas vous mettre n'importe quoi. Attends. Si je partage tout l'écran. Je ne pourrais pas. Attends. OK, mais regarde à ce moment-là. Si. Là, ce que tu vois, c'est. C'est la même page. Si je fais ça. Oui, parfait. OK. Fait qu'à ce moment-là, mais là, j'imagine que toi, tu vois, parce qu'il n'est pas en diaporama, là, diapositive complète, là. Fait que tu vas voir le côté. Moi, nous, on voit tout au complet ta page, là. Les gens le voient. On te voit, toi, sur le côté. Et si tu déroules avec ta souris, parce que moi, ma souris ne fonctionne pas sur ton écran. Donc, si toi, tu déroules, comme tu le fais juste avant. Oui, voilà. Là, on est au triangle. Mais là, j'imagine que toi, tu vas voir tous les paramètres, là. Hein? Ça ne sera pas. Je veux dire, non, c'est pas grave. On va le faire comme ça parce que je pense que quand je l'agrandis, ça gèle. Donc, on va y aller comme ça. Donc, ça, c'est l'image de laquelle je parlais. Donc, c'est sûr qu'un visuel, ça aide à comprendre ce que je dis. Oui. Donc, je parlais. Tu as travaillé fort. Puis ça, c'est magnifique. Ton visuel est très, très beau. Ouais, merci. Ouais, j'aime bien l'aspect esthétique, moi. C'est pour ça que je suis contente de travailler sur ton livre beauté. Donc, ce que je racontais, c'est ça, c'est que nos hormones sont intimement impliquées dans les différentes sphères qui sous-tendent qui permettent la santé. Hein. La santé, c'est un mélange entre ce qu'on vit dans le corps émotionnel, dans le corps physique, puis au niveau de la physiologie, au niveau de l'intérieur des cellules. Et donc, nos hormones jouent sur ces deux triangles-là, en fait, que je racontais, au niveau de la santé mentale, au niveau du métabolisme, cette capacité-là, à l'intérieur de mes cellules, de créer des enzymes, par exemple, de créer du renouvellement de tissus, de créer mon énergie avec laquelle je peux faire millions d'activités cellulaires. Donc, nos hormones sont intimement impliqués dans ce qu'on appelle le métabolisme. Et bien sûr, les hormones influencent aussi mon corps dans sa structure, hein, ma peau, mes muscles, mes os, mes tendons, les articulations et tout ça. Ça influence aussi les paramètres d'inflammation, de gestion de douleur, de prise ou de perte de poids et tout ça. Donc, nos hormones, on ne peut pas ne pas en tenir compte si on parle de santé globale.
Et quand on parle d'hormones, là aujourd'hui, on va parler plutôt d'un style, par exemple, on va partir du cycle menstruel, on va parler de la périménopause. Donc, on focus beaucoup sur l'estrogène et la progestérone qui sont, disons, les deux hormones les plus représentées dans cette période-là. Mais l'image que vous avez devant vous, en fait, nous laisse voir que les hormones ils travaillent ensemble dans le genre d'une communauté tissée serrée. Donc, si j'influence une hormone, je désorganise ou je comprends. Des fois c'est désorganisé, mais tu sais, cette image-là ici, c'est comme une toile d'araignée dans le sens où il y a une architecture parfaite, il y a des ratios entre chacune des hormones qui doit être respectée, il y a des dosages de certaines hormones qui doivent être adaptées et que quand, par exemple, je vais favoriser une hormone au détriment d'une autre, par exemple le stress, quand je vis du stress, je fabrique beaucoup de cortisol, bien à ce moment-là, en tirant sur le cortisol, toute la pyramide ou toutes les autres hormones vont toutes vont subir l'effet domino de ça. Donc, on parle, oui, aujourd'hui d'estrogène, de progestérone, mais elles travaillent, oui, ces deux complices, là, bien sûr, ces deux hormones-là, là, mais elles ne travaillent pas non plus là, en duo exclusif. Là. Donc, il faut toujours garder cette idée-là que quand on parle d'hormones, il faut avoir une vision large, il faut avoir une vision physiologiste, il faut penser à l'ensemble des hormones puisqu'elles vont toujours se contrebalancer ou venir se supporter ou venir se faire de la complémentarité, par exemple. Donc, là, les gens applaudissent et disent bravo, parce que moi aussi, c'est la première fois que je vois le lien. Et si jamais tu veux, parce que les gens demandent qu'on puisse avoir les... parce que moi, je pourrais faire un article après avec tes... Tes feuilles, toute ta préparation, puis en mettant évidemment le lien vers toi dans tout. Aucun problème, Jacinthe, ça va me faire plaisir. Je te le partagerai à la fin de notre rencontre aujourd'hui, là, pas de problème, je te l'enverrai. Okay. Donc, gardez en tête que le corps humain, hein, c'est un système fermé, donc ça veut dire aussi que ce qui se passe en haut s'en va en bas, ce qui se passe à droite s'en va à gauche. Hein, oui. Je veux dire, donc s'il y a une hormone qui est dominante, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont souffrantes en contrepartie et tout ça. Donc, j'aime bien dire que dans le milieu des hormones, ce qui se passe à Vegas reste pas à Vegas. Dans le sens où il y a aucune hormone qui peut travailler tout seul dans son coin sans influencer les autres. Donc, j'aime bien cette image-là pour faire comprendre. Et je vous ai mis aussi, avec les années, je me suis amusée à créer une pyramide. Donc, j'appelle ça la pyramide du succès hormonal stable. Et on focus beaucoup sur la pointe ici, hein, comme si c'était un iceberg, par exemple. On focus beaucoup là-dessus, surtout en périménopause. On dit, je vois que j'ai des changements hormonaux. Mon cycle menstruel a commencé à changer. Puis, je vois que, je commence à manquer de progestérone. Donc, on mise beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, c'est vrai que de stabiliser ces hormones-là, c'est extraordinaire. Mais que ces hormones-là, en fait, sont très sensibles à tout ce qui se passe en dessous. Et donc, à la base, je vais en parler vraiment rapidement aujourd'hui, mais juste pour vous mettre l'envie d'en savoir davantage, à la base, il faut respecter le sommeil. Okay? Wow. Si on ne dort pas, je veux dire, l'équilibre hormonal, là, c'est un mirage inaccessible. Donc, à la base, il faut gérer, entre autres, nos hormones de stress, les hormones de sommeil. Ensuite, on doit gérer par nos habitudes de vie ce qu'on met dans l'assiette, donc nos fluctuations de glycémie. Il ne faut pas qu'on ait un taux de sucre sanguin trop variable. Donc, il faut gérer l'insuline, il faut gérer son stress. Et ça, c'est facile de le dire, c'est tout un défi d'y arriver. Et à la base, quand mon insuline et mon cortisol s'en vont dans tous les sens, donc quand j'ai une dent sucrée, par exemple, ou que je vis une vie de cortisol, donc de stress, c'est très difficile de stabiliser mon métabolisme sur lequel reposent mes hormones plus sexuelles, tu sais, qui sont là pour aider à la reproduction, entre autres, mais ça fait tellement plus que ça. Donc, c'est de toujours garder cette idée-là en tête que tout est dans tout, finalement, là. Puis, quand on parle qu'on va aller stabiliser une hormone, il faut regarder, est-ce que ce débalancement de cette hormone-là, est-ce que c'est vraiment elle qui est manquante ou si c'est pas une autre hormone qui tire finalement par le bas. Donc, avoir cette vision-là physiologique, c'est une vision très, très naturopathique aussi, là, de la santé. Donc, tu m'as présenté déjà à ma belle Jacinthe. Écoute, je suis allée fouiller dans nos photos. Oh, c'est cool! Ouais.
tu venais d'accoucher, puis moi, j'étais enceinte à ce moment-là de mon dernier. Ouais. Donc, c'est une image quand on avait sorti le livre La beauté, à ce moment-là, ça fait déjà une couple d'années, là, nos bébés, ils sont déjà à l'école, là. Oui, ils ont 8 ans, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Le mien, il va avoir 7 ans sous peu, là. Fait qu'on était vraiment proches en fin de grossesse, là, de ton côté. J'étais au début de la mienne, là. Donc, c'est ça. Je suis naturopathe agréée depuis 27 ans, herboriste clinicienne depuis 27 ans. Je suis aussi professeure en endocrinologie dans les écoles de naturopathie. On a parlé rapidement que j'ai créé un collectif de gens vraiment d'une exception, là. Irréprochable là, au niveau de la clinique intégrative du Haut-Richelieu, donc pour les gens qui ont besoin d'accompagnement ou qui veulent aller tout simplement plus loin dans la compréhension de leur santé, bon, c'est ce que je vous recommande. Avec Docteur Desautels, donc c'est l'autre photo ici, Docteur Lynn Desautels, une sommité, une personne publique médiatisée beaucoup, qui parle beaucoup de l'importance de l'hormonothérapie, bien balancée, sécurisée, bien encadrée. Donc c'est une femme que j'ai estime beaucoup, qui est devenue une très bonne amie, avec qui on a choisi l'année passée d'unir nos 26 ans de métier. Donc, 26 ans de médecine, à ce moment-là, moi, 26 ans de naturo. Puis, comme j'ai un grand respect pour le domaine médical et que Docteur Desautels a vraiment un grand respect pour les approches complémentaires, dont la naturo, puis que les deux, on est passionnés d'hormones, on a décidé de faire œuvre utile. Donc, on a une plateforme virtuelle en ligne qui est vraiment pour tout le monde, mais aussi pour les professionnels de la santé, donc les gens intéressés à mieux se comprendre ou les gens intéressés à ce que le médecin comprenne mieux aussi. Vous pouvez référer. Oui, Jacinthe? Comment s'appelle la plateforme? MaSantéMesHormones.com. Je vais en reparler tantôt à la fin. Je vais vous mettre un petit lien, puis j'ai demandé aussi si Docteur Desautels était d'accord. On vous donne un rabais aussi là, pour les gens qui ont un intérêt. Docteur Desautels soit allé à notre maison à Saint-Bruno. Je pense que j'ai entendu ça. Ah, c'est possible parce que sa première clinique, elle est à Saint-Bruno aussi. Mais elle en a plusieurs maintenant, le 8 cliniques, là. Mais oui, ben vous côtoyez sans doute, là. Wow. J'ai participé aussi à plusieurs choses, là. SOS Ménopause avec Isabelle Huot et Chantal Lacroix. Je fais des masterclass avec Anne-Marie Ménard, qui est une sexologue fort appréciée. Aussi, podcast sexe oral et Maison Jacinthe. Donc, ça me fait plaisir de renouer ce matin. Avec mes amours, donc Jacinthe, que j'apprécie donc, mais avec qui on a évolué ensemble, co-évolué là, pendant des années. Là. Hey, depuis 11 ans, je pensais moins que ça, mais 2013, la première émission, mais je pense qu'on, en tout cas, c'est pas mal le fun. Je me rappelle la première fois que je t'allais te rencontrer, on mangeait un brownies aux patates ensemble. Tu m'as accueilli avec le brownies aux patates chez vous, j'ai trouvé ça très chouette. C'était dans ma palette, là. Donc, on commence dans le vif du sujet. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de décortiquer le cycle menstruel. Parce qu'évidemment, on vit toutes des menstruations, mais il y a une richesse à l'arrière de ces fluctuations-là hormonales. Donc, j'ai appelé ça un cours d'éducation menstruelle. Je trouvais ça cute. J'espère que les jeunes vont, parce qu'on comprend pas, on le sait pas, on l'apprend pas. Il y a personne qui pour nous en parler, tu sais. Donc, ouais. Oui. Puis c'est vrai que il y a des femmes qui vont vivre leurs années de fertilité sans souci là, puis qui bon, tu sais, ils surfent bien dans les changements hormonaux, puis d'un cycle menstruel à l'autre ça va bien. Il y a des femmes qui vont être plus écorchées, bien sûr, hein. Je veux dire, c'est important, des hormones, ça peut changer vraiment la donne à différents niveaux. Donc moi, je trouvais ça important de remettre un peu les pendules à l'heure pour essayer de comprendre, OK, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est sûr qu'on peut influencer énormément aussi notre cycle menstruel et notre syndrome prémenstruel. Donc, ça vous donne quelques pistes, mais il y a des cadeaux. Il y a vraiment des cadeaux dans ces fluctuations-là hormonales. Puis quand on sait travailler avec, ben ça nous donne une plus-value, là, ça nous donne quelque chose de vraiment intéressant. Oui. Donc, il faut savoir statistique, là, hein, c'est statistique 101, là, à la naissance, en moyenne, on est avec 1 million de follicules ovariens. Les follicules ovariens sont des pré-ovules, si vous voulez, là, c'est les endroits dans lesquels je vais faire maturer mon ovule qui, un
viendra un jour mature que je pourrai éjecter puis potentiellement reproduire l'espèce avec. Donc, on est avec un potentiel de reproduction exceptionnel, mais il n'y a pas tout ça. On n'a pas la possibilité de faire 1 million d'enfants, là, Dieu merci. Il y a le tiers qui survit jusqu'à la puberté. Il y a des choses qui s'effacent. La biologie est économe. Donc, s'il y a des choses que je n'utilise pas, que je ne module pas de façon à 100%, il y a certains follicules qui vont s'effacer et que finalement, ben, j'ai entre 300 et 500 follicules qui, au final, vont se développer pour donner un ovule puis qui seront éjectés pour potentiellement, comme je disais, reproduire l'espèce. Et ça veut dire, en fait, qu'une femme va avoir en moyenne entre 400 et 500 menstruations au cours de sa vie, puis ça s'échelonne bien sûr quand on fait le calcul, de 35 à 40 ans. Fait que c'est important parce que pendant 35 à 40 ans, ton cerveau communique avec tes ovaires de façon régulière. Hein? C'est ce qui explique pourquoi la puberté, quand il commence à avoir un message qui circule, comment est-ce que on peut vivre ça de façon vraiment chaotique, cette période-là. Et la même affaire se reproduit en périménopause. Quand la communication commence à faire des petites défaillances, bien à ce moment-là, à quel point est-ce qu'on vit des grands remaniements? Et ça veut dire qu'une femme va être en moyenne menstruée pendant 4000 jours de sa vie. Évidemment, c'est une statistique. Il y a des femmes qui sont peu menstruées, il y a des femmes qui ont des hémorragies qui durent pendant des 10 jours. Donc, c'est évidemment juste pour dire, ah ben OK, j'ai jamais pensé à cet aspect-là, mais ça occupe énormément de temps dans une vie de femme, là. Donc, aussi bien en faire un allié. Donc, notre cycle menstruel, j'ai utilisé l'image classique, là, le cycle de 28 jours. Et sachez, mesdames, que 28 jours n'est pas un objectif, OK? Il y a plus de femmes qui sont à 26 jours que 28 jours. Donc, c'est pas un problème d'être menstruée un petit peu plus tôt. Mais on le met un peu carré pour être capable de bien diviser ça en deux puis vous expliquer, là, la théorie. Donc, on a essentiellement deux phases. On a une phase qui part du jour 1, qui est le jour où je commence ma menstruation, jusqu'au moment où, en théorie, j'ovule, donc la mi-cycle. C'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et dans cette phase-là, ça va, Jacinthe? Oui, oui, absolument. Je t'écoute. OK, j'ai entendu un bruit. Puis quand je ne le vois pas, ben, j'y vais juste à l'oreille. Donc, si on voit dans la phase folliculaire, l'hormone qui est dominante, c'est l'estrogène. On l'appelle l'estradiol quand on est en période de fertilité. Donc, c'est l'estrogène et c'est tout à fait viable comme ça. Et vous allez voir, il y a plein de bénéfices extraordinaires en arrière de cette phase-là. Donc, c'est sous la puissance de l'estrogène pendant cette période-là. Et ensuite, si j'ai une bonne communication dans mon cerveau, j'ai une capacité d'ovulation ici. Donc, ça arrive à la mi-cycle. Et le cerveau va changer sa commande centrale et là, je vais commencer à sécréter de la progestérone. Donc, c'est l'hormone qui est en ligne bleue ici. Et l'estrogène, progressivement, va diminuer pour céder la place. Et c'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Donc, c'est la phase où, évidemment, c'est pas la même hormone qui est dominante. Donc, ça se traduit physiologiquement, mentalement, énergétiquement parlant, d'une façon différente. Donc, on va reprendre ces phases-là, puis on va les redécouper ensemble, puis on va voir les petits cadeaux en arrière. Merveilleux. Ouais. Donc, j'ai décidé de partir l'information au jour 5, parce que le jour 1 au jour 5, c'est le moment de la menstruation. Fait que ça, je vais y arriver à la fin. Parce que notre menstruation est aussi un constat de toutes ces fluctuations-là hormonales. Donc, je commence à partir du jour 5 jusqu'au jour 14. Là où c'est mon estrogène qui rentre en scène puis qui fait son one-man show, là. Donc, quand je rentre en mode estrogène, là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, toutes les hormones ont une influence sur la santé mentale, là, mais l'estrogène, elle a vraiment une grande richesse. C'est qu'elle vient stabiliser notre dopamine et notre sérotonine. La dopamine, c'est l'hormone, c'est un neurotransmetteur, neurohormone qu'on peut dire, là, qui est hyper impliqué dans mes capacités cognitives, dans ma capacité d'être focus, d'avoir des compétences exécutives décuplées, la capacité d'avoir un bon vocabulaire, d'être capable de me concentrer, d'être satisfaite aussi. C'est un neurotransmetteur d'enthousiasme, de motivation, de bien-être global. Donc,
pas quand on est menstrué. Quand on est menstrué, là, on a comme on est un flat line d'hormones, mais observez les femmes qui ont encore cet accès-là à leur cycle menstruel, observez votre qualité d'énergie puis votre capacité de santé cognitive, là, de focus, de concentration, d'être capable de plonger dans un travail, de soutenir une lecture, d'entreprendre un gros dossier qui demande du jus de cerveau. Là, ben, il y a une fenêtre dans le cycle menstruel que la nature nous donne un petit bonus pour le faire, puis c'est avant l'ovulation, entre le jour 5 et le jour 14. Donc, une femme qui est très symptomatique avec les fluctuations hormonales, puis qui a, écoute, si elle avait la possibilité de faire un agenda, si elle est régulière, bien sûr, là, à partir de cette fluctuation-là, là, elle peut optimiser là, tellement d'aspects. Donc, si vous avez beaucoup de choses à produire, un travail, une thèse, un doctorat, peu importe, un ouvrage quelconque, bien, mettez ça à l'agenda dans votre cycle menstruel à ce moment-là. Okay? Et que se passe-t-il quand on prend la pilule? Ah, bien, oui. Bien, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de fluctuations hormonales. Puis à ce moment-là, bien, on a quand même des hormones, bien sûr, qui sont imposées de façon exogène au corps, là, mais on n'a pas de montée au niveau de la dopamine et de la sérotonine et tout ça. Non, on vient effacer ça. Mais honnêtement, tu sais, Jacinthe, faut pas tomber non plus dans le jugement, dans le sens où une femme qui est très symptomatique là, au niveau des fluctuations hormonales, là, qui, par exemple, a un trouble dysphorique prémenstruel, qui est un syndrome prémenstruel fois 1000, qui vraiment là est dysfonctionnelle, ne peut plus s'occuper d'elle-même, de la famille, reste au lit, grosse dépression, idée suicidaire. Je veux dire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle des anovulants dans la vie aussi là pour ces conditions comme ça. Mais c'est sûr que ça remanie plein de choses, bien sûr. Là, si on vous parle vraiment là d'un cycle là biologique, physiologique là, donc. Mais moi, je juge pas aucune des options, des options que les femmes vont faire. Faut toujours, quand on comprend, on juge pas, là. Mais c'est vrai que ça va remanier énormément de choses, bien sûr, là. Et ensuite, ça, c'est notre dopamine. Donc, le focus, la dopamine, c'est important aussi pour tout ce qu'on fait de précision. La motricité, je vais avoir une énergie qui va être décuplée à ce moment-là. C'est là que je peux faire de l'activité physique, puis que ça va être plus facile pour moi. Si je fais de la musculation, par exemple, je vais être capable de tenir plus longtemps, soit en endurance, soit en force, par exemple. Fait qu'il y a vraiment une petite fenêtre sous la gouverne de l'estrogène qui vient optimiser mes capacités. Oui, cognitive, mais aussi neuromusculaire. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. L'estrogène, c'est aussi un coupe-faim. Un coupe-faim, ça ne veut pas dire de ne pas manger, mais pour les personnes qui sont adeptes du jeûne, le jeûne est grandement facilité dans cette période-là. Okay? Il y a un livre, justement, qui parle, tu sais, « Fast like a girl », fait que c'est associé à ce cycle-là. Oui, ça, je crois que c'est Mindy Pels qui l'a écrit, hein? Oui, c'est ça, exactement. Fait que cette période-là, comme l'estrogène vient stabiliser l'insuline, entre autres, on a moins de fluctuations de taux de sucre sanguin. Donc, c'est la meilleure période physiologiquement parlant si je ne suis pas stressée, OK? Le stress va venir tout saboter ce que je vous raconte, là. Mais si vous dites, non, ça va, tu sais, je suis pas en mode de survie constante jour après jour, là. J'ai un bon équilibre de vie et que j'aimerais introduire un peu plus de jeûne. Ben, il y a une fenêtre physiologique, biologique qui est favorisée. C'est cette période-là ici. Tandis qu'avant d'être menstruée, c'est le pire des projets. On va en reparler. Donc, une femme, c'est de la souplesse, c'est de l'adaptation, mais quand on le sait pas, on le sait pas, mais quand on le sait, on peut faire avec. Donc, meilleure période pour faire du sport, pour même être capable de gérer là, t'sais, une assiette qui est plus restreinte ou carrément le jeûne. Et l'estrogène est intimement impliqué aussi dans ma sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, une neurohormone qu'on va dire antidépresseur, anxiolytique. C'est ce qui nous permet d'avoir une attitude positive. Quand on prend un antidépresseur, c'est pour bloquer la sortie de ce neurotransmetteur-là. C'est pour l'empêcher de sortir, pour qu'il reste en fonction au niveau de mon système nerveux. Et je ne peux pas faire de sérotonine, d'attitude positive sans estrogène.
C'est intimement relié. Et donc, dans cette période-là, c'est là que je vais me sentir plus sociale. Je vais avoir envie d'aller voir les gens. Je vais avoir une humeur qui est plus stable. Je vais avoir plus de confiance en moi. Je vais avoir un petit peu plus de leadership. Je vais avoir une attitude positive. J'ai le bonheur, disons, plus facile dans cette période-là. Ça ne veut pas dire que le reste du cycle, c'est épouvantable. Là. On va voir, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est juste un remaniement différent, là. Donc, l'estrogène, ce qu'on peut retenir, c'est que ça influence ce que je perçois, ce que je vais ressentir et ce que je pense. Donc, c'est fort intéressant. Ça amène de la neuroprotection, de la neuroplasticité, ça veut dire que ça aide le cerveau à développer des nouvelles connexions. Donc, vraiment d'ouvrir à un plus large bagage d'apprentissage puis de connaissances. Je l'ai mentionné, ça soutient la glycémie. Et puis, ça maintient, ça entretient une relation intime avec multiples neurotransmetteurs impliqués dans le bonheur, dans l'enthousiasme, dans la motivation aussi. Donc, ça, c'est le cadeau de la biologie dans cette phase-là ici. Oh, beau cadeau, faut-il le savoir? Mais c'est ça, mais je sers à ça aujourd'hui. Donc, on continue, on s'en va dans la période un peu plus chaude, le jour 12 à 16, où là, je vais, bon, évidemment, vous voyez la petite image ici, j'en ai pas parlé, là, mais c'est relié avec la phase folliculaire, hein. Ça, c'est mon petit ovocyte, donc mon pré-ovule qui se développe, et là, quand il est mature, j'arrive à la mi-cycle, dans ce plan-là, bien sûr, de reproduction de l'espèce. Là, on parle de biologie 101, là, hein, survivre, se reproduire. Donc, on arrive, quand j'ai un ovule qui est mature, au moment où il faut que je l'éjecte pour pouvoir reproduire cette espèce-là. Donc, il y a un changement de commande au niveau du cerveau. J'insisterai pas là, sur les petites couleurs, c'est le rose et le bleu pâle ici qui interviennent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que je vais être au maximum ici de mon estrogène. Je ne l'ai pas mis sur l'image, mais j'ai aussi la testostérone qui embarque. Parce qu'on a toutes les mêmes hormones. Hein? Ça, c'est pas genré, les hormones. C'est la quantité des hormones qui vont caractériser le genre. Mais les hommes ont exactement les mêmes hormones que les femmes. Okay? Sauf que c'est les ratios qui changent. Donc, une femme a aussi de la testostérone. Et la testostérone, c'est extraordinaire comme antidépresseur, ça nous permet d'avoir vraiment de la vision, là, tu sais, puis de prendre des décisions, puis d'être volontaire, puis d'être engagé. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour la santé mentale. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'elle intervient. Okay. Elle intervient avec l'estrogène et les deux ensemble, c'est ce qui va nous donner notre sex drive, hein? C'est ce qui va nous donner notre motivation sexuelle. Et c'est intéressant en fait parce que ça influence le désir puis le choix du partenaire. Je vais en reparler dans deux minutes, là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des études, mais c'est spécial, mais c'est des études surtout qui ont été publiées dans des livres d'écologie. Je ne sais pas pourquoi les revues d'écologie, là. C'est bon. Mais bon, puis on parlait vraiment, évidemment, c'était pas biologie animale, on en a aussi là-dessus, mais vraiment, l'observation humaine, c'était dans les livres d'écologie et ça parlait en fait qu'à ce moment-là, les femmes, naturellement, dans ce but-là de reproduire l'espèce, ben ils vont dépenser plus d'argent. à se mettre belle, tu sais, à se mettre des bijoux, là, tu sais, dress to impress, là. Fait que les femmes vont mettre un peu plus de parfum, vont être plus coquettes. Puis ça peut être conscient, mais ça peut être très inconscient aussi. Donc, on peut observer chez des collègues de travail, par exemple, dire « D'après moi, toi, t'ovules. » Tu sais, « Oh non, toi, t'as déjà ovulé. » Comment est-ce qu'on met plus d'artifice, tu sais, je trouvais ça fort intéressant quand même. Et il y a des études aussi qui ont nommé qu'à cette période-là, il y a beaucoup plus d'hommes attirés aussi autour de nous, parce que ça a été noté qu'une femme qui ovule fait augmenter la testostérone chez les hommes autour. Mais oui, comme les animaux, en fait, on fait partie du règne animal, hein? Phéromones. Oui, exactement. Mais il y a des choses invisibles, là, hein, qui fait que, ben, coudonc, comment ça que tout le monde me regarde? Mais comment ça que j'y reçois des commentaires? Ben, voyons, ben, merci. Puis, tu sais, mais c'est le fun quand on le remarque. Tu dis, ah, ben, regarde, coudonc, c'est sûr, j'ovule, là.
Donc ça, c'est la période en fait où je vais bien, bien sûr. Là, tu sais, c'est juste la petite montée en testostérone va aider à décupler ou à tout cas, favoriser la libido, bien sûr, puis l'ouverture aux autres, puis. Fait que ça, c'est le petit moment clé ici. Fait que c'est évidemment, on peut avoir des relations sexuelles n'importe quand là, dans le mois. Là, t'sais. Ça, c'est vraiment biologique dans le but de dire que je vais avoir un potentiel de reproduction de l'espèce. Donc, c'est favorisé. Mais c'est ce qui fait, entre autres, que les anovulants vont souvent couper la libido parce que j'ai plus ces fluctuations-là qui m'amènent à avoir « Ah, là, j'ai un désir. OK, non, là, j'ai envie d'être tranquille. Oh, non, là, je suis plutôt fatiguée. Ah, oh, non, non, là, j'ai envie. » Tu sais, fait que ça fait partie des effets secondaires, là, entre autres. Et le désir n'est pas là qu'une journée par 28 jours. Non. T'sais. Non, mais biologiquement parlant, c'est favorisé à ce moment-là. Mais encore là, il y a un grand saboteur qui s'appelle le stress. Okay? Ouais. Si on est stressé, on va attendre longtemps après notre petite drive de libido, là, parce que c'est un libido killer. Là, t'sais? Fait qu'on parle que quand tout va bien, voici ce que la biologie, dans le but de reproduire l'espèce, ça c'est dans une loi biologique globale, là, ben, avait prévu, bien sûr, c'est mes chances de reproduire l'espèce requièrent un ovule. Donc, c'est à cette période-là où je risque d'avoir un petit peu plus de drive, où j'ai envie d'être un petit peu plus sociale, de rencontrer des gens, tu sais, je vais analyser les gens d'une autre façon, puis tout ça. Fait que ça va affiner mon acuité, ça va influencer ma recherche de partenaires aussi. Donc, dans le dernier encadré, c'était quand même intéressant, ça, aussi, ces lectures-là. Ça parlait, évidemment, que, bon, les animaux vont surtout faire, pas tous, là, mais la majeure partie des animaux, la majorité, vont avoir une sexualité dans un but de, tu sais, de conception. Il y a certains animaux, non, c'est aussi par le plaisir et tout ça, mais l'humain, évidemment, on n'est pas obligé juste de faire l'amour pour se reproduire, on s'entend, là, tu sais. Ben, il y aurait deux fonctions distinctes avec les fluctuations hormonales. Ce qui veut dire que quand je suis dans ma période fertile, donc vraiment autour de mon ovulation, les femmes vont avoir, c'est des différents endroits au cerveau qui sont plus irrigués, vont rechercher des avantages génétiques. Wow. Chez un homme, par exemple. Ouais. Fait que t'es pas tenté par le même genre d'homme au moment de ton cycle. T'sais? Fait que quand t'es dans la période fertile, c'est comme s'il y a une programmation de faire une progéniture qui est solide, hein, puis qui va survivre. Donc, on va chercher des caractéristiques génétiques, soit une apparence particulière ou des préférences particulières, des traits plus masculins, par exemple. Tandis que si je suis à l'extérieur de cette phase-là, évidemment, je peux avoir des relations sexuelles, mais le cerveau fonctionne pas de la même façon. À ce moment-là, je vais chercher des avantages qui sont pas génétiques. Je vais chercher un peu ce qui va rejoindre mes valeurs, ce que je vais analyser comme étant ça va être un bon père, par exemple, ou une dimension liée aux relations long terme. Wow. Fait que c'est intéressant, tu sais. Fait que tant mieux si on a quelqu'un qui fait notre affaire au niveau génétique puis au niveau des valeurs. Fait que on reste assez fidèle tout le long du mois. C'est bon, ce tableau, c'est bon autant pour la femme que, comme David le dit, c'est bon pour l'homme qui va comprendre mieux sa femme aussi. Mais tellement. Je veux dire, on cohabite ensemble, hein, aussi bien prendre le temps de se comprendre, là, puis... L'information que je donne là, c'est sûr que ça intéresse souvent les femmes parce qu'on se sent concernées directement, mais j'aime l'idée que, je veux dire, il n'y a pas mieux qu'un partenaire là pour bien comprendre aussi à quoi est exposée sa conjointe, sa blonde, sa femme et tout ça. De dire, OK, ben ça me permet, tu sais, d'avoir des nuances dans mon jugement aussi, tu sais, d'essayer d'être capable de suivre. Puis ça, j'étais contente parce que j'avais eu quelques hommes à la fin de la conférence, justement, au mois d'août, à ton festival, qui étaient dit, bon, pour la première fois, je comprends ma femme. J'avais ri un peu, mais j'ai tu sais, mais oui, tellement. Puis là, il va falloir faire des cours aussi sur l'andropause, bien sûr, pour que les femmes puissent comprendre les hommes. Mais comme l'andropause arrive plus tard, normalement, qu'une ménopause, les femmes ont une nature, tu sais, disons, être plus prompte à comprendre parce qu'ils ont vécu elles-mêmes les fluctuations. Donc, 60 ans l'andropause, Véronique? C'est quoi? 60 ans l'andropause? Tu sais, je sais que c'est juste un chiffre, là. C'est mais... un chiffre, mais oui. C'est 60, 62, 65 autour d'eux, comme c'est 10 ans plus tard que nous. Tandis que nous, notre ménopause, c'est 50, 52, 55. Ben l'homme, c'est un petit peu plus tard. Et ça se ressemble beaucoup au niveau des signes et symptômes. C'est pas la même chose parce que
nous, si nos ovaires cessent la production, ben les testicules chez l'homme ne cessent pas de production. C'est juste que c'est une baisse progressive, là, évolutive de leur testostérone qui se traduit bien sûr par plein de signes et symptômes. Ça peut pas passer inaperçu. C'est tellement important, nos hormones sexuelles. Mais ça ressemble beaucoup dans les signes et symptômes à une périménopause, bien sûr. Là. Oui, fait qu'on pourra une autre fois là, prendre le temps de parler à nos hommes aussi. Là. Ils le réclament d'ailleurs. Ça va me faire plaisir. Et là, ensuite, on a passé le cap de l'ovulation, si j'ai ovulé, parce que on a un peu cette idée-là préconçue que parce que je suis menstruée, j'ai ovulé. Mais non, en fait, je peux être menstruée sans ovuler et on va en reparler. C'est le défi à partir de la mi-trentaine. Comment est-ce que on n'ovule plus à tous les mois, hein? C'est pas gagné d'avance. Et donc, si je n'ovule pas à tous les mois, je ne bénéficie pas de la progestérone puisque c'est l'espace. Ici, quand j'ovule, cet espace-là, on l'appelle le corps jaune et ça devient une glande transitoire pendant 2 semaines et c'est là où je fabrique la progestérone. Donc, si je n'ai pas ovulé, comme par exemple, je prends un anovulant, ben, je n'ai pas de progestérone dans mon corps, là. Mois après mois, année après année, par exemple. Fait que, ce que je vais vous raconter ici, ben, est inhibé dans le cas d'un anovulant, par exemple, ou d'une femme de 35 ans et plus qui commence à avoir des cycles anovulatoires, ben, elle peut sentir que, ouh, c'est dur à suivre, ce que d'Asca dit Véro, je me sens pas comme ça, tu sais. C'est probablement parce que tu n'as pas ovulé. Donc, à partir de l'ovulation, là, on va recouper ça, hein, jusqu'au jour 21, là où je suis dans la montée de ma progestérone. Mais quand je suis sous le mode de la progestérone, je dors comme un bébé, là. Et là, je suis zen, je suis naturellement détendue parce que la progestérone a une affinité avec un autre neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Et le GABA, c'est un inhibiteur nerveux. C'est un anti-stress, c'est un anti-panique, c'est un anti-anxiété. Okay? C'est un sédatif naturel. C'est pas un somnifère comme tel, c'est juste que je peux passer à travers cette période-là, cette semaine-là, avec un petit peu plus de zénitude, plus de calme intérieur, j'ai comme une vigilance, mais détendue. Donc, je suis disponible pour passer à travers mes journées, mais je me sens, c'est un bon moment pour penser à moi. Tu sais, mon énergie est calibrée différente. C'est pas comme au moment de l'ovulation où là, j'ai envie de rencontrer des gens puis je suis au maximum là, de mon potentiel de reproduction. Là, c'est comme si je retourne dans ma petite grotte à moi, là, ce qui est une petite introspection là, pour moi. Fait que c'est un bon moment pour la méditation, pour tu sais, revisiter peut-être le mois, c'est les quelques semaines qui viennent de passer avant d'être menstruée, de peut-être faire des petits changements, mais on a accès à une autre partie de notre psyché à ce moment-là. Fait que c'est un bon moment pour se voir sur une autre facette. Donc, c'est calme, détente. Et ensuite, j'arrive dans la dégringolade. Si je ne suis pas enceinte, bien sûr, hein, ben j'aurai pas de placenta pour faire des hormones. Hein. Donc, à ce moment-là, mon fameux corps jaune qui, après 2 semaines, n'est plus capable de donner de la progestérone, ben quand mes hormones ne sont plus là, ben, à ce moment-là, je décolle le coussin menstruel, puis j'ai ma menstruation. Donc, la semaine avant, là, c'est là où tout se déconstruit. Et ça, c'est là qu'on a le syndrome prémenstruel, entre autres, qu'on va avoir des migraines souvent et tout ça. C'est la chute des deux hormones, de mon estrogène et de ma progestérone, qui va induire un paquet d'inconfort. Et c'est là que je vais avoir, par exemple, je peux me sentir... quand dans le plan, la biologie sait que je suis pas enceinte, donc prépare le terrain en faisant des molécules qui sont inflammatoires. C'est normal. Si je dois arracher le coussin menstruel, il faut que j'aie de l'inflammation. Il faut que je fasse de la contraction. Donc, on appelle ça des prostaglandines. Et c'est là, par exemple, je vais me sentir plus ballonnée, je vais me sentir plus constipée avant d'être menstruée. Là, je pense que 3/4 des femmes, on peut dire effectivement, là, on sent gonflé là, tu sais, dans notre bédaine. Puis les selles sont moins favorisées qu'une fois que j'ai commencé à être menstruée. Mais là, je peux avoir des selles molles, par exemple. Hein? Ça va m'amener aussi à avoir plus de rétention d'eau au niveau des seins parce que ma progestérone, c'est une hormone qui est diurétique, c'est une hormone qui me permet d'éliminer
d'éliminer le surplus d'eau, la rétention d'eau. Donc, avant, je vais avoir, oui, la bédaine gonflée, les seins compacts gonflés, les cuisses qui se touchent, là. Je peux avoir un petit peu plus de cellulite, je peux avoir les chevilles un peu plus enflées. C'est là que je peux avoir mon syndrome prémenstruel, donc un changement d'humeur, mon estrogène, c'est elle qui me donne mon côté bobli, mon côté prosocial, mon côté bonheur facile. Puis là, ben l'estrogène, elle pique du nez. Fait que là, je vais être plus irritable, je peux avoir des pertes d'intérêt, ma dopamine qui me donne le côté enthousiaste puis motivé. Oups, ben elle dépend aussi ce neurotransmetteur-là de l'estrogène, donc l'estrogène diminue. Donc, ça se peut que j'ai un bout de plate, là, un bout de beige là, dans mon mois. C'est là que je vais avoir des rages alimentaires, c'est là que je peux faire des hyperphagies boulimiques aussi ou est-ce que je vais devenir grignoteuse. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais c'est pas là qu'il faut que je jeûne, de toute évidence, ça va être très difficile de jeûner parce qu'à partir de l'ovulation, à peu près jusqu'au jour 25, le corps requiert plus de calories. Dans ce plan-là de reproduire l'espèce, c'est pas le temps de jeûner puis de faire famine. Donc, le cerveau commande d'être grignoteuse. Où on va le noter que je viens de manger, ça, c'est convenable ce que je viens de manger, mais une heure après, c'est comme « Ah, mais il me semble que je mangerai un petit peu. » Puis je prendrai une petite bouchée, puis une autre petite bouchée. Puis, fait qu'il y a cette idée-là que j'ai besoin de plus de calories. La dépense énergétique, elle augmente aussi de 8 à 16 % à ce moment-là. Fait que le cerveau dit, ben donne-moi un petit peu plus de carburant. Donc, il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on vise. Moi, je trouve ça fort intéressant. On tombe pas dans le jugement, là, tu sais. C'est tellement intéressant, même au niveau de la peau, tu sais. Puis, moi, le temps file. Tu sais, on termine dans 3 minutes. On est à la moitié de ta présentation. Oh mon Dieu, ok, mais moi je pensais que tu me donnais le temps là, et j'avais planifié quelque chose comme pour 1h30. Il y a tellement de questions aussi, donc ce que je propose, okay, c'est que la semaine prochaine, on commence peut-être un peu plus tôt si tu peux, tu sais, ça oui, pourrait être à 10h, comme ça, on va avoir le temps de terminer, puis moi je t'enverrai les questions pour qu'on puisse y répondre. Il y a tellement de questions. Et le livre, oui, SOS Ménopause, tu y as contribué parce que les gens demandent. Mais là, tu as aussi sur cette plateforme Ma Santé, Mes Hormones que tu as créée avec Dr. Lynn Desautels, une formation de 60 heures. Donc, et les gens peuvent la suivre à leur convenance, là, c'est ça? Oui. Ben, regarde, là, attends. Veux-tu me laisser, je sais pas là, si vous avez tout un engagement, là, veux-tu me laisser deux petits minutes juste pour compléter le cycle menstruel, puis après ça, ben, je pourrais montrer peut-être l'image pour ma santé, mes hormones, puis on regardera comment on peut faire pour compléter. Comme, c'est ça, j'avais donné cet été la conférence, j'avais pris 1h45, fait que comme on avait dit que je la représentais, j'ai pas recoupé l'info, fait que j'avais pas eu l'info que c'était juste 1 heure, mais on va se rebrancher pour le reste, là. Est-ce que, je suis juste dans vingtaine, là, j'ai même pas touché. Mais Véronique, on se comprend, tout le monde, on s'identifie, puis la semaine prochaine, on a un rendez-vous aussi, donc on va pouvoir compléter. Et donc, je te laisse compléter je complète ça super vite, ma charge à sainte, là. Donc, dans cette période-là aussi, je vais avoir de l'insomnie juste avant d'être menstruée, là. Je n'ai plus de soutien au niveau neurotransmetteur. Donc, insomnie, je peux avoir des chaleurs nocturnes à ce moment-là. Il y a toute l'inflammation qui crée aussi plus de chaleur, là. L'acné, donc, t'en parlais, Jacinthe, je vais avoir la peau plus grasse parce que je vais avoir un petit remaniement, là, aussi, au niveau de mes hormones, je peux avoir le mal de tête et là, je vais avoir une fatigue qui va commencer à s'installer. Toute femme peut le savoir, j'étais à 2-3 jours d'être menstruée, puis plus rien ne va. Et je termine juste au moment de la menstruation ici, donc je retourne au début du cycle. Donc, après toutes ces fluctuations-là hormonales, je ne suis pas enceinte, donc je dois décoller le projet, là. Et donc, je tombe dans ma menstruation. C'est le retrait des hormones qui crée la menstruation. Et là, ça se traduit aussi par des maux de tête, la fatigue. Il faut savoir, les filles, en terminant, que c'est l'estrogène qui crée la quantité de sang à évaluer,
voyons, à retirer, là, à, c'est ça, je cherche mon mot, là, c'est ça, à évacuer, c'est ce que je cherchais. Donc, si vous êtes fortement menstrué, que vous avez un gros flot avec beaucoup de caillots, mais il faut avoir une lunette pour regarder la quantité d'estrogène que vous sécrétez. Et si au contraire, vous avez des petites menstruations qui ressemblent presque à du spotting, il faut savoir qu'il y a peut-être un besoin à combler en estrogène. Wow. Fait que ça, c'est important. Et si vous êtes beaucoup dans la douleur menstruelle, il faut savoir qu'il y a un manque de progestérone parce que la progestérone, elle dégage, elle est antispasmodique au niveau de l'abdomen, puis c'est elle qui défait les caillots. Fait que des fois, observer sa menstruation, prendre des notes, mais ça nous donne aussi des indications sur nos hormones. Fait que ça, c'était le cours d'éducation menstruelle, donc niveau 1. Je peux aller vite, vite, vite à ce moment-là. Rapido, puis j'en reparlerai la semaine prochaine. Oui, Ma Santé, Mes Hormones, c'est une plateforme en ligne, 60 heures de formation, c'est sous forme de vidéo, puis vous avez aussi des e-books, donc des livres à télécharger. C'est pour vraiment démystifier toutes les croyances autour des hormones, là. Puis il y a 37 modules, ça va de parler de contraception à jusqu'à cancer du sein, là. On passe par la santé cardiovasculaire, la longévité, est-ce qu'on peut prendre des hormones à vie, oui ou non, si je veux pas prendre d'hormones, c'est quoi mes options, on va vraiment dans tous les sens et ça, c'est vraiment pour faire œuvre utile. C'est la formation que moi, j'aurais aimé recevoir là, 27 ans et que Docteur des Hôtels aussi aurait aimé recevoir. C'est un cadeau, c'est un bijou, genre, donc de 25 ans de métier en médecine, 25 ans de métier en naturo, concentré sur les hormones. Donc, je vous ai mis un rabais pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, pour les prochaines fois. Là. Donc, wow. Je vous mets ici le code MS pour Ma Santé, Mes Hormones 100. Puis, vous avez une option 3 paiements. Il faut juste rajouter le PP3. Donc, je vais arrêter mon partage pour te voir la binette, ma chère amie. Et Véronique, c'est tellement intéressant. Yeah. Avec ça, en ligne de bine, moi, j'avais pas saisi qu'on avait juste une heure. Bon, okay. Désolée, ça fait partie de mes problèmes de communication. Où j'en fais, tu sais, je suis très brève et très. Je suis désolée, mais on reprend tout ça et je te propose 10 heures la semaine prochaine jusqu'à 9 heures jusqu'à 10 heures et quart. Et donc, Chantal et toutes les personnes qui ont. Poser des questions, je vais les envoyer à Véronique. Comme ça, on prendra le temps à 10h05. On va se donner une heure de présentation pour compléter. On aura le temps et je ne parlerai pas cette fois-là pour l'introduction. Comme ça, on aura le temps de répondre à vos questions. Il y en a qui ont eu un cancer, qui prennent la médication, tout ça, et tu connais ça. Et moi, je trouve ça précieux ce que vous avez fait. Merci pour votre cadeau. Merci pour cette formation. Puis on se retrouve la semaine prochaine à 9h. C'est parfait merci, pour moi. Véronique. Merci. Ça puis fait on plaisir. Les premières fiches que tu nous as présentées ce matin, on va tout de suite faire un article, La ménopause par Véronique Bourbeau, avec, tu sais, avec ces fiches-là. Comme ça, vous allez avoir déjà un mémo, tu sais, et le lien, évidemment. Et un partie 2, là. Exactement. Qui sera ajouté la semaine prochaine. Il y a pas de livre. T'as collaboré au livre SOS Ménopause? Non, SOS Ménopause, c'est l'accompagnement en ligne avec Isabelle Huot puis Chantal Lacroix. Isabelle a écrit un livre avec Docteur des Hôtels. OK, parfait. Je n'ai pas participé à cet ouvrage-là, non. Okay, parfait. Il y en a qui réclament que tu écrives un livre. Oui, ben c'est 2025 avec Docteur des Hôtels, c'est à l'agenda, là. Ouais. Merveilleux, super, fantastique. Merci Véronique. Bonne journée tout le monde et à bonne journée. Merci.